Bonjour, bonjour. Quand vous venez sur la terre, vous avez des choses qui sont destinées pour que vous les accomplissiez. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui cherchent. Vous cherchez une solution. Vous cherchez une voie. Vous savez, notre combat quand on vient sur la terre, c'est que on a ce que notre famille veut qu'on fasse. Et on a ce que notre âme nous montre. Et je sais qu'avant de tomber sur ma page, vous étiez très guidé par les autres personnes. On vous montrait toujours, fais comme ça, fais comme ça. Parfois, c'est même toi qui partais pour appeler. Tu appelais la personne. Je fais comment? Oui, oui, tu vois, vous allez. Il y en a pour qu'on vous communique beaucoup avec les gens dans les rêves. Mais quand vous vous réveillez, vous croyez que le rêve, c'est différent de la réalité. Écoutez juste un peu ceci. Certains d'entre vous, quand vous étiez petit, votre intuition était développée. Donc, dans l'enfance. Tu avais développé cette capacité à vraiment t'écouter. Si bien que, quand tu faisais un rêve, ce n'est pas parce que forcément tu fais le rêve, ça se réalise que... Je sais pas, on peut dire. Les gens attendent toujours que ce soit seulement quand les rêves se réalisent, qu'ils croient que leur rêve leur parle. Tu peux être quelqu'un que tu n'as jamais rêvé, tu as vu quelqu'un mort, après il est réellement mort. Ou bien tu n'as jamais eu un rêve prémonitoire. Mais malgré ça, tu es toujours guidé dans tes rêves. Donc je disais que tu peux ne pas faire de rêve prémonitoire. Tu es juste une personne normale qui oublie souvent ses rêves. Tu n'as jamais rêvé que quelque chose va se passer, ça se passe. Tu es comme tu es là, tu es seulement là. Ça ne veut pas dire que la direction de ta vie, ils ne peuvent pas te donner ça dans les rêves. Parce que beaucoup d'entre vous, vous cherchez le super naturel. Bonjour aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Gabonais qui m'écoutent. J'insiste beaucoup sur le fait que vous devez déjà premièrement croire que il y a une force là-dedans qui me guide. Et certains d'entre vous, en m'écoutant, vous êtes parfois très éloignés de ce que vous êtes censé faire sur la terre. Ceux qui ont déjà eu à faire les lectures de destinée avec moi, vous avez vu, quand j'ai fait ta lecture de destinée, je te donne ce qui est aligné avec ton âme. Il y a une maman qui a payé pour ses enfants l'autre jour. Elle a 3 fils. Elle a été à faire la destinée, la lecture de destinée de ces 3-là. Je crois que le premier a 15 ans, le dernier a 7 ans, je pense. Et quand je faisais pour lui, elle se rendait compte que il aime ça. Ah oui, c'est vrai. Il est un peu introverte. Il ne va pas trouver les gens.
Tu n'as pas le son. Il n'y a pas le son, c'est qu'on va arrêter alors. Il y a les jours où je vous parle du Salaka, il y a les jours où je vous parle de vos rêves, les anges. Il y a les jours où je vous demande de noter vos rêves. Il y a les jours où je vous demande... d'aller faire des libations, aller verser du vin sur la terre. Il y a les jours où je vous demande de partir nettoyer la tombe de vos parents. Il y a les jours où je vous demande. Il y a tellement de choses que. Il y a des jours où je viens ici faire exactement le coaching. Je parle que business. Parce que tout ça, c'est un ensemble qui vous amène quelque part. Ton ancêtre ne peut pas venir. Et dans ta vie, te guide et tu es pauvre. Vous comprenez ça? Il ne peut pas être... je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Parce qu'il y a des pratiques spirituelles que quand tu commences à faire, ça t'amène dans une autre dimension où tu commences à être guidé. Tu commences à être guidé. Bon, il y a le son, il n'y a pas le son. Je vois les gens disent que c'est bon. D'autres disent qu'il n'y a pas. Ceux chez qui il n'y a pas le son, il faut laisser. Toutes ces choses que vous voyez que vous devez faire, c'est pour activer. Parce que parfois, tes oreilles spirituelles sont bloquées. Parfois, il y a même des gens qui sont dans ta vie pour te bloquer. Genre, on te dit, va au village, nettoie la tombe des parents. Tu es peut-être avant un gars que quand tu lui dis ça, il commence à dire que ah, les trucs là, moi les trucs du village, je ne suis pas sur ça. Donc, tu entends bien. Tu sais que tu dois faire. Mais tu as quelqu'un qui te bloque. Parfois, tu sais que tu dois faire, mais tu n'as pas l'argent. Dès que tu attrapes un argent, ça, là, l'enfant tombe malade. Dès que tu attrapes un argent, l'enfant tombe malade. Donc, ces choses que tu fais régulièrement, ça vient libérer l'énergie négative qui est là pour te bloquer. Et après, maintenant, c'est ta propre volonté. C'est-à-dire, il faut que tu veuilles vraiment aller faire la chose. Tu peux peut-être dire que tu veux prendre une consultation avec moi. Il y a des personnes qui ont payé la consultation depuis au moins 3 semaines. Je ne consulte plus. Je consulte très peu. Maintenant, tu arrives, tu vois le processus, c'est long, tu te dis, ah, de toutes les façons. Peut-être pendant que j'allais parler avec toi, j'allais te donner 2 instructions qui allaient t'aider. 2 instructions qui allaient te guider. Et quand tu allais partir faire les 2 choses-là, ça allait te positionner dans un endroit où tu allais recevoir une directive pour les 10 prochaines années de ta vie. Je veux que vous compreniez que tout ça est relié, tout ça est lié. Et quand tu commences à faire ton sel, tu commences à faire ton pipi, tu commences à faire le don, tu vas voir qu'il y a commencé. Il y a certaines choses que tu vas commencer à savoir dans ton cœur que je sais que je dois aller faire ça. Comme ce matin, par exemple, il y a une femme là, elle paye sa dîme presque tous les 2 jours. Elle envoie la dîme tous les 2 jours, elle envoie. Donc, elle me contacte ce matin, pendant que je tentais de descendre les escaliers, elle envoie sa dîme. C'est là que je me rappelle. Que dans la nuit, j'ai rêvé de cette femme. Si j'ai rêvé que je tente de donner la nourriture à tes ancêtres, c'est fou, mais j'ai rêvé que je tente de faire une offrande aux ancêtres. Je dois donner la nourriture au nom de cette femme. Et je lui dis,
Et le montant que les ancêtres m'ont donné dans le rêve de lui dire, elle voit le message, elle écoute le message, elle me dit, waouh, depuis 2 jours, j'ai envie de t'envoyer cette même somme pour que tu puisses te faire une offrande pour moi. Je veux que vous compreniez que les ancêtres ne font pas les choses au hasard. Et ils ne vont pas te parler par une seule voix. Si tu es attentif, tu vas dire, mais depuis j'ai envie de faire un lavage à distance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie depuis. Parce que tu restes dans ça là, ils vont te communiquer d'abord par ton intuition. Ou bien tu écoutes ma vidéo comme ça. Je parle de quelque chose, tu dis, il faut que je fasse telle chose chez la femme-ci. Ou bien chez une autre personne, hein. Je ne dis pas que je suis la seule personne qui fait ça. Ça reste dans ton cœur. Chaque jour, quand pendant que tu es en train d'aller au travail, ça revient dans ton esprit. Ça fait que revenir. Tu changes, tu tournes. Un jour, tu peux t'asseoir, un endroit, tu es en train de manger peut-être ton couscous. Une femme vient. Elle dit bonjour. Elle te dit, il faut que tu partes au village te laver. Tu dis, mais ça fait un mois que je ressens ça à l'intérieur de moi. Votre problème, c'est que vous ne pensez pas que vous êtes guidé. Vous attendez toujours que... Vous attendez le surnaturel. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Tu veux que le soleil, les nuages s'ouvrent. Il y a une lumière qui sort du ciel, ça tombe sur ton visage. Et la lumière, là, maintenant, commence à parler. Jocelyne, tu dois partir au village. C'est ce que vous aimez. Tu peux te lever le matin, tu dis, mais j'ai fait plein de rêves cette nuit, mais je me suis vue en train de donner la même chose à l'enfant. Depuis 3 semaines, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller faire un don dans un orphelinat. Cette nuit, je me suis vue en train de donner la même chose à l'enfant. Tu attends quoi depuis? Non, tu sais, souvent qu'on entend sur Facebook, on n'est jamais su, non? Tu sais, je ne peux pas seulement écouter qu'on ne s'est pas fait, non? Ouais. Bonjour, Flora. Vous êtes déjà guidé. Et parfois, vos anges sont même fatigués. On parle à la femme, si chaque jour, on ne comprend pas. Tu rencontres un homme. On te montre dans le rêve comment l'homme-là t'a trompé, comment l'homme-là t'a fait du mal. Tu te réveilles le matin. Chez B, j'ai rêvé que tu me trompais. Hein. Voilà l'homme B qui te dit, oh non, je ne peux pas te faire ça, chérie. Tu sais que tu es ma personne. Tu sais que... 3 ans plus tard, après que tu aies aidé B à construire sa maison, après que tu aies pris ton argent, tu as mis sur B, tu découvres que B a un enfant de 3 ans. Je dis comme ça, excusez-moi, si c'est la vie de quelqu'un, je suis désolé. Oh. Dis que ma chérie, on t'avait monté la période là, tu as commencé à faire comme si... Bonjour, bonjour Daniel. Edwige, bonjour. Josiane, bonjour. Tu peux être là le matin, la nuit, hein, tu peux avoir une question par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Avant de dormir, tu dis voilà, j'ai pris cette décision-ci, mais je me sens lourde. Je me sens lourde. Éclairez-moi pendant la nuit-ci. Tu verses le sel au sol. Tu contournes ton lit là, tu mets le sel autour. Tu prends même un verre d'eau, tu déposes à côté de toi encore. Tu as le jujube. Tu manges même un peu, tu verses encore l'autre. Tu te laves avec le sel. Pour enlever toutes les mauvaises énergies de la journée là. Couche-toi, tu dors la nuit là. Ils vont venir te parler. Parfois, c'est pas genre, ils vont venir te dire clairement genre, quitte cet homme. Non. Tu peux rêver, tu vois peut-être comment l'homme là
Tu es rentré à la maison, il avait vidé toutes tes choses, il est parti avec. Ou bien, quand tu reçois quelque chose, les choses spirituelles, ce sont les choses que tu dois rester, tu médites sur ça. Donc, tu prends du recul. C'est pour ça que quand vous commencez ces choses-ci-là, hein, lavage, ceci, cela, vous devez commencer à passer beaucoup de temps seul. En Europe, vous avez beaucoup de parcs. Tu cherches un parc comme ça, tu vas t'asseoir là-bas le matin. Peut-être que ce n'est pas loin de ton boulot. Tu commences le boulot à 7h30. Arrive au parc à 7h. Tu t'assois là-bas même 15 minutes. Tu t'assois. Tu prends du recul. Tu laisses la voix qui est à l'intérieur de toi remonter. Et c'est là-bas que tu prends tes décisions. Ne laisse pas les gens influencer tes décisions. Pas le jour que tu vas t'asseoir. Tu demandes à ton gars, j'ai fait comment pour le père de mes enfants? Ah, l'homme là, il faut le bloquer. Il faut le chasser. Il faut même qu'il voit les enfants. Non, tu t'assois seul quelque part. Tu réfléchis, tu penses. Et j'ai même une stratégie qu'ils donnent souvent aux gens. Tu as des décisions qui sont parfois trop dures. Stop un moto-taximan en route. Tu lui donnes même 1000 francs ou 1500. Tu dis que je ne te connais pas, non? Il dit oui. Voilà. Assois-toi. Je vais te raconter un peu mes problèmes. Tu me donnes ton avis. Ou un taximan même. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Bienvenue Roseline. Parfois tu as besoin d'un œil qui n'est pas intéressé. D'un œil qui n'aura pas, qui ne cherche pas des intérêts derrière toi. D'un œil impartiel. Donc quelqu'un qui n'a rien à profiter dans ta vie. Mm-hmm. Et parfois même seulement en parlant de ton problème à quelqu'un. Toi-même tu t'écoutes encore et tu trouves ta solution. Parce que c'est vous, ce qui vous tue souvent, c'est les mauvaises décisions. Pardon. Ce sont les mauvaises décisions. Et parfois, une petite mauvaise décision peut influencer grandement la vie de ta vie ou la vie de ton enfant. Petite mauvaise décision. Il y a une école où ma fille partait souvent. Il y a ça quelques années. La directrice de l'école là était... Pour moi, elle était un peu dodgy, you know. Elle n'était pas claire. Peut-être en une année scolaire, j'ai rêvé au moins 3 fois en mal de cette femme. Genre, c'est comme si elle enfermait les élèves à l'école. Elle faisait des pratiques sur eux. Dans mon esprit, il faut que je retire ma fille de l'enfant de l'école-ci. Je dois retirer mon enfant de cette école. Et il s'est avéré plus tard que j'ai vu 2-3 choses. Parce que je n'ai même pas voulu trop fouiner. Mais j'ai développé l'habitude d'écouter tellement mon intuition. Tellement. Quand on me dit il y a 2-3 fois quelque chose par rapport à quelqu'un, il dit que vous ne pouvez pas vous pointer dans mon rêve et faire même que le matin je me rappelle de ça, et alors que c'est du hasard. Bonjour Chloé de Pointe Noire. Vous allez voir que si vous développez l'habitude d'écouter, Il y a des dangers que vous allez anticiper en avance. Et vous savez, quand tu es un mère de famille ou un père de famille, il y a certains détails que tu ne vois pas, même dans ton entreprise. Moi, j'ai des employés. Je suis leader par intuition. Moi, tu as des employés qui vont être hypocrites. Il y en a qui vont vouloir t'escroquer ou te voler. Il y en a qui vont vouloir te manipuler.
Il y en a qui vont... Avec les employés, j'ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu toutes les qualités. Mais ils upgradent les versions tous les jours. Donc il y a les versions que je n'ai pas encore vues. Mais c'est quand même que la version 2022 est sortie, ce qu'elle a vu. Jeanne, si tu ne suis pas, va chercher, changer de téléphone, non. Tu veux que je te dise que quoi? Ah. Si tu viens d'arriver, tu restes sur la page, tu regardes d'autres vidéos. Il y a souvent certaines personnes que parfois au départ, tu ne vas pas comprendre, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Mais la personne, c'est là. Il y a même des gens que quand ils me flattent, je vois, je vous vois, je connais. Oh, ma reine. Ma reine. J'avais deux ménagers avant, là. Quand elles entendent ma voix, hey, elles vont commencer à nettoyer les araignées sur les murs. Quand elles font ça, je leur dis que, mes chéris, il y a les caméras dans ce bureau, non? Quand je ne suis pas ici, je vois ce que vous faites. Ne me voyez pas partir commencer à nettoyer les murs. Vous me nettoyez les murs, pourquoi? Depuis, tu n'as pas nettoyé, pourquoi? Ah, tu sais, ma reine. Certains, quand tu commences à suivre ton intuition, tu vas voir qu'il y a des énergies qui sont trop flagrantes. Des énergies masquées qui sont trop flagrantes. Et tu vas aussi voir qu'il y a des personnes que tu n'aurais même pas imaginé que la personne a te fait du mal. Mais on te montre. Maman, vous avez les commentaires sur le direct, c'est souvent. Quand tu as le shampoing qui brise les liens ancestraux, mamie. Ah. Vous avez dit que son père a une boule de cristal depuis un an. Je parle d'intuition, tu m'as parlé de boule de cristal. C'est des gens comme vous, comme ça, là, que souvent que je bloque seulement de ma page. Parce que vous aimez m'amener dans une certaine qualité de sorcellerie, là, que ce n'est pas mon domaine. Et parfois, vous vous intéressez même aux mauvaises choses. Parfois, votre attention, votre énergie passe sur les mauvaises choses. Genre, les choses qui ne vont pas vous aider. L'esprit te guide que va comme ça, fais comme ça. Non, les cacas qui sont là-bas, c'est les cacas de quoi? C'est pourquoi? L'esprit te dit, va là-bas, tu fais le salaka. Lève-toi aujourd'hui, tu peux faire le salaka pour ouvrir tes portes. Non, 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 non. J'ai vu un chat noir qui était devant ma porte le matin. Niki, tu vas beaucoup apprendre à vivre dans ta maison. Vous voilà maintenant, Josiane Marcel. Tu veux que c'est quel shampoing? Pardon, va la contacter, Inbox, elle te donne. Va la contacter, elle te donne, pardon. Sur la page, là, je n'aime pas. Parfois, je bloque les gens et je chasse beaucoup les gens ici parce que. Ils n'aiment pas les vagabonds. Vous avez un esprit vagabond en vous là que parfois, que quand vous êtes en ligne. On peut vous flasher avec n'importe quoi. Genre, tu ne veux même pas engager ton intuition pour voir est-ce que ce que la personne se dit est vrai. Non, 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 non. Tu ne veux pas tester l'esprit. Ah, shampoing qui brise les liens ancestraux. C'est où comme ça là? Dis-moi. La personne va là en inbox, te dit, ne écoute pas ce qu'elle dit. Viens, je vais te montrer. Tu vois là, tu pars, tu prends. C'est comme ça que vous êtes. Des vagabonds spirituels. Alors, si on te montre comment écouter ton intuition ou ton esprit qui est en toi là. Non, je ne veux pas. Je veux que quelqu'un d'autre me dise. Je veux que tu... Non, dis-moi. Même dans le groupe de prière, je crois hier, il y a quelqu'un qui a posté un truc. Par rapport à l'anniversaire, ne pas faire l'amour pendant l'anniversaire. Ah, les autres là, dis encore. Oui, dis encore plus. Ça explique bien. Le spirituel est très délicat. Tu peux coucher physiquement avec quelqu'un. Il n'atteint pas ton âme. Comme si quand tu t'ouvres pour écouter ce que quelqu'un te dit. Il y a le spirituel et la religion a trait à la spiritualité en tout cas. Un faux pasteur peut te détourner, il gâte ta vie. Un
faux pasteur peut gâter ta vie parce que tu es pas, tu as écouté des choses qui sont venues. Tu n'as pas fait l'amour avec le pasteur. Hein? Mais tu as écouté des doctrines qui t'ont entraîné. Du coup, tu crois que toute ta famille te déteste. Tu crois que ton père ne t'aime pas. Tu crois que s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils vont pas aller au ciel. Tu crois que te voilà. Parce que tu allais écouter. Donc fais très attention. Fais très attention. Bonjour la reine Ericia. Même si je vous donne une instruction, avant qu'elle vous donne, l'esprit va vous parler aussi. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas apprendre l'autre là. Je ne sais pas pourquoi vous-même vous ne voulez pas apprendre. Non, je peux rester comme ça là. Depuis 2 jours, je sens quelque chose. Je sens qu'il faut que je parte. Tu vas le savoir, tu le sauras. Comme la reine Fosseur dit que tu as des jours, tu ne veux pas sortir. Il y a des jours, l'esprit va te. Tu vas rester comme ça à 6 heures. L'esprit te dit que va t'asseoir là-bas, ne parle à personne. Si vous montez dans le trou, je suis assise pour vous parler. C'est là, vous n'allez même pas me croire. Dès que j'ouvrais mes yeux le matin, on a dit, cherche l'endroit comme ça, tu peux t'asseoir. Me voilà. Soyez très guidés par l'esprit. La Bible dit, ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Those that are led by the Spirit of God are the children of God. Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Vous pensez que la fesse, c'est la blague? Et au moment où tu restes au salaire, toute ton énergie, tu n'as envie de rien faire. On te demande, couche-toi, tu dors. On dit que non, Kodia. Couche-toi au lit, tu dors. Mes plus grandes batailles, ce sont mes anges qui les font pour moi. Hein. Je peux rester au salaire une période, je reste une période. Je dis que j'ai fini le direct. Ils me disent que va te coucher, tu dors. Je dis que, hey, mais j'ai ça à faire, j'ai ça, ça, ça. On dit, va te coucher, tu dors. Tu te mets là, tu dors, tu dors, tu dors. Deuxième jour, au bout du troisième jour, va t'asseoir au bord de l'eau. Tu t'assois. Quatrième jour, va faire comme ça. Je me rappelle, il y a une bataille là, je me rappelle clairement de cette bataille. Physiquement, hein, même la force pour prier, je n'avais pas. Le jour là, j'étais à peine, je pouvais à peine me traîner. Je suis allé me coucher à la fenêtre, j'avais mis mon canapé à côté de la fenêtre. Et le jour là, l'angle sur lequel le soleil se lève, 8, 9, 10 heures, ça frappe dans, on suit le canapé. Je me couche. Le soleil frappe sur moi, ça frappe sur moi. Je commence un peu à m'endormir. J'entends un ange me dire, c'est bon. Tu es guéri. Je dis, hein? Il dit, c'est bon, tu es guéri. Le lendemain, un papier que j'attendais depuis... J'étais en rendez-vous dans un bureau que j'attendais depuis un mois. On m'appelle que viens pas. Le rendez-vous là que, le jour où je devais aller au rendez-vous, l'enfant du monsieur qui devait me recevoir tombe malade. Il dit non, il va seulement déposer l'enfant à l'hôpital, après il revient. Le lendemain, il dit que l'enfant a chauffé la nuit. Non, 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 ça traîne, ça traîne. Après là, il n'est même plus sur le dossier. Dieu me dit que ça, c'est spirituel. Quel me
suis levé le jour-là. Et ça m'a dit à ma soeur que, tu sais quoi, je sais que je suis guérie. Ce qui me dérangeait, les parties. Parfois, tu viens d'arriver dans un pays aussi, il y a les forces de ce pays-là, parfois, qui vont te combattre. Et les batailles territoriales que tu mènes. Je vais leur montrer que tu n'es pas là contre eux. Elle vous dit d'être guidée, vous croyez que c'est la blague. Tu te lèves un matin aussi, tu dis que va faire une offrande à l'eau. Je dis, hein? On va faire une libation. Parle. Lève-toi à 5 heures le matin, tu parles à la ville, tu parles. Apprenez à écouter. Et le meilleur cadeau que tu apprennes à ton enfant, c'est d'apprendre à ton enfant à écouter. L'écoute enlève la peur. L'écoute te permet de patienter. Il y a des jours que tu patientes dans le jeûne et la bagarre. Il y a des jours que tu patientes dans le sommeil. Il y a des jours que tu patientes seulement, tu peux au travail, tu travailles seulement jusqu'à ce que tu attends. Vous êtes dans une école. Cette vie-ci dans laquelle vous êtes, c'est l'école. L'école de la foi. Ok, bon, je finis avec vous. Je ne dis plus rien. Bye. Si vous avez une question, vous posez. Si je vois qu'elle veut répondre, je réponds. Si elle ne veut pas répondre, je ne réponds pas. Quand vous passez du temps en silence comme ça, vous devez faire des notes, écrivez. Écris ce qui te passe par l'esprit. Parce que souvent, après, tu vas lire ça, ça va t'aider. Il y a un truc, une période là qu'on appelle en anglais the Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul. Dans la période sombre de ton âme. Généralement, le Dark Night of the Soul précède une percée. Peut-être dans ta famille, on avait dit que vous ne mariez pas. Ou bien que ça fait même 15 ans que tu cherches l'enfant. Et là, tu commences à faire des trucs spirituels. Tu fais. Les jours qui précèdent l'enfant, la conception là, ou les jours qui précèdent ta demande en mariage, ou ton mariage même là, tu as beaucoup de batailles intérieures. Beaucoup. Beaucoup. Tu as besoin, ton âme est tiraillée. Tu ne sais pas pourquoi. Parfois, tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes avec ton gars. Problème. Je ne sais même pas pourquoi vous querellez. Vous ne savez même pas pourquoi, mais problème. Et quand tu regardes derrière, tu comprends. Ah, il y a des choses qu'on est en train de briser. Il y a des malédictions qu'on est en train de briser. Quand c'est comme ça, là, quand le problème veut surgir comme ça, tu te retiens. Ça tiraille ton âme, en fait. Ça tiraille ton âme. Quand tu patientes, c'est un peu comme si tu étais en train de percer une couche. Et après, à un moment, on se la pouf, tu commences à flotter. Tu sens comment c'est léger, tu sens comment. Tu commences à voir clair. Mais oui, je vais me marier. Mais oui, je vais avoir des enfants. Mais oui, c'est que tu voyais impossible avant. Mais oui, mon mariage ne va pas se gâter. Mais oui, donc, pendant 3 semaines, tu avais des problèmes à la maison. Problème avec ton mari. Problème. Peut-être que vous cherchez l'enfant depuis 5 ans. Ou vous, la reine Roland. Et puis, quand les problèmes sont en train de s'arrêter maintenant, ça s'intensifie jusqu'à tu veux même partir. Tu veux même arrêter tout. Quand tu supportes la petite période là, après, c'est comme si la lumière, la paix. Tu vois tes projets, tu dis, mais oui, pour toi tout paraît. Mais je vais aller en Europe, je vais demander le visa. Le numéro WhatsApp est en haut du direct. Je vous ai demandé d'éviter les scammers. Vous venez demander un numéro comme ça, les scammers béninois vont venir vous écrire.
vas sur la page, tu regardes le numéro. Ouais, c'est quoi cette paresse bizarre là? Si on vous escroque sur ma page, ne me dérangez pas. Allez leur donner votre argent. Moi, vous faites les consultations à 5000 francs. Oui, allez. Allez chez eux, vous payez. Vous faites ça là-bas. Et ne venez pas vous plaindre après. Ouais, Cindy. Cindy. Vous, parfois, vous pensez que je me lève comme ça et dis que hey, Cindy là va me voir. Ma vie ne tourne pas autour de vous. Hein. Ma vie ne tourne pas autour de vous. Ah. Pourquoi tu refuses de me prendre le téléphone? Pourquoi tu... Je ne vais pas te bloquer, ma chérie. Vraiment. Vous pensez que quand je vois mon WhatsApp comme ça, là, je dis... Ha! Cindy, c'est là. Pardon. Excusez ma vie. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Si quelqu'un pense que le centre de ma vie parmi vous là, il se trompe. Personne ne paye le loyer dans ma tête. Tu ne payes pas, tu n'es pas locataire dans ma tête. Jamais. Et si tu fais le rêve où tu avais le président de la République, ça veut dire que c'est l'argent, la prospérité. Et aussi la célébrité. Il y a des choses que tu dois faire pour que ça s'active. Et aussi le temps divin. Parfois, ça part aujourd'hui. Quand c'est comme ça, c'est pour activer ta foi. Bon. Où est le soleil? Monsieur le soleil est là. Bonjour, monsieur le soleil. Bonjour. Bonjour. Souvent, vers 6 heures comme ça, là, allez chercher l'endroit de votre maison où le soleil frappe quand il se lève. Vous partez là-bas pour rester au soleil comme ça, là. Vous fermez les yeux, vous laissez le soleil frapper sur vous et vous parlez au soleil dans votre esprit. Vous comprenez? Voilà. En attendant de me parler, lavez-vous au sel, je vous en prie. Parce que parfois, vous avez de très mauvaises énergies. Parfois, il y en a parmi vous, vous venez me contacter, vous êtes les Decepticons. Je vous assure. Tu es Decepticon, on ne peut jamais se parler. Jamais. Le signe. Ta mauvaise énergie, la même chose, on se connecte, la ligne va se couper. J'ouvre ton message, après il va oublier, il veut partir. Parce que moi, ma lumière ne peut pas se connecter avec les ténèbres. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous venez avec les mauvais cœurs, hein. Les mauvaises paroles. Hey! Jesus! Tu vois, moi, la personne parle, elle dit que mamie, c'est toi qui voulais que je t'aide. C'est toi qui voulais la consultation. Mes anges ne peuvent pas permettre. Sachez que l'instant où vous me contactez comme pian, dès que vous écrivez comme ça comme pian, mes anges vous checkent déjà. Donc, s'il y a le mauvais cœur chez vous, là, ne vous inquiétez pas, on ne peut jamais se connecter. Par contre, il y a des gens ici, là, que vous m'avez, le premier jour, chaque fois que vous m'écrivez, je vois votre message. Chaque fois que vous m'écrivez, pap, dès que ça arrive, boum, je suis en train de prendre le téléphone. Parfois, c'est même le téléphone du secrétaire. Dès que tu écris comme ça, j'ai le téléphone du secrétaire, pap, je tombe sur ton message. Donc, que votre cœur soit pur. Ouais, c'est pas pur, là. C'est ça, quand vous me regardez, vous croyez que c'est seulement comme vous voyez, là. Que c'est seulement une petite fille avec le t-shirt, non? Bon, bonne journée à vous. Non, là, les courriers, c'est la prospérité. Ça veut dire que tu dois être une femme de l'eau. J'allais arrêter le direct, mon Dieu te dit ça. Ça veut dire que tu es une femme de l'eau. Et tu dois, Hervé, tu dois prendre le kit célébrité après. Toi qui es arrivé de Samuel Eto'o. Après, tu vas prendre le kit célébrité. C'est qui est arrivé des courriers là, tu dois prendre, achète les courriers réels même, achète les courriers. Tu en mets chez toi, les courriers appellent là, c'est la prospérité. Et si tu peux même faire des couronnes comme ça en courrier. Voilà.